Les amis, c'est Ganguinou, j'espère que vous avez la forme, parce qu'aujourd'hui on est de retour sur Fallout 4 pour l'extension Fall Harbor. Alors d'après ce que j'ai vu dans cette extension, on va aller explorer une île mystérieuse dans laquelle il se passe des choses bien... mystérieuses. C'est parti, let's go! Ok, donc c'est parti les amis, on va commencer notre toute nouvelle aventure en écoutant un message radio qui m'a été envoyé sur mon Pip-Boy. D'ailleurs au passage, vous pouvez constater que j'ai un superbe petit chez-moi avec des cadres paradisiaques, hein. Parce qu'on a tous besoin d'évasion, et oui. Bon bref, c'est parti, on va écouter ce message radio. Donc c'est celui de l'agence de détective Valentine. On a une nouvelle affaire, ça a l'air urgent. Tu peux passer au bureau? Je t'attends. Donc on va aller parler à Ellie, qui se trouve à l'agence Valentine, à ce qui paraît, elle a besoin de moi. Eh, hey, amène ton cul plein de puces, Canigou, on y va! Si vous causez des ennuis, vous allez en avoir vous aussi. Pigez. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Tu fais le fou parce que t'as pas d'oreille, c'est ça? Moi je me connais pas! On a reçu une nouvelle affaire pendant que vous étiez absent, Nick et vous. Vous avez toujours votre chapeau de détective? Ouais, mais je préfère clairement mon bonnet, hein, écoute, c'est un peu la marque de fabrique de la maison. Bref, le client est un pêcheur qui vit sur la côte en bordure du Commonwealth, Kenji Nakano. Monsieur Nakano n'a pas donné beaucoup de détails. Il a dit qu'il vous expliquerait tout sur place. Mais si vous voulez mon avis, c'est une affaire de personnes disparues. Ok, bon j'y vais, je me rends chez les Nakano de ce pas. Let's go. Bon bien ça y est, nous voilà maintenant près des côtes. Alors on va aller trouver la résidence des Nakano qui se trouve juste à côté. Oula. C'est qui ça? Excusez-moi. C'est pas contre vous, mais... ma mère m'a toujours appris à me méfier des étrangers. Parce qu'elle était extrêmement raciste en fait, donc non, c'est une blague. Bon, plus sérieusement, il me reste 4 balles dans mon flingue. Ça en fera 2 pour toi, et une pour les deux connasses. Wow, recule Charlie Chaplin! Wow! Oh, geste hostile! Voilà, t'avais prévenu! Une pour toi, et... une dans le vent, et... une pour toi. Bon bah, finalement, je suis plutôt fort en calcul. Bon allez, c'est parti, il faut continuer. Et d'ailleurs, mon petit Canigou, sincèrement, entre toi et moi, et sans la moindre touche d'ironie, je trouve vraiment que cet endroit est magnifique, hein. Voilà, il y a une belle plage, des parasols, des transats en parfait état, et puis une vue... une vue, quoi. Allez, sérieux, on continue, let's go. Oh, oh non! Putain, il y a des touristes sur la plage, merde! J'étais pas prêt! Canigou, reviens, sors de l'eau! Casse à vous! Aïe! Putain! Foutu touriste! Pars-toi de là! T'approche pas! Oh putain! Canigou, recule! Touche pas à mon chien, espèce de saloperie! Allez, amène-toi, saloperie! Ouh! Celui-là, il a une brosse à dents sur lui. J'ai comme l'impression qu'il s'en est pas beaucoup servi. Bon, allez, on s'arrache, c'est parti. Oh. Oh, oh, oh. Une goule luminescente. Le corps et l'âme ravagés par les radiations. N'attendant plus qu'une chose, que la mort vienne l'embrasser, pour qu'elle puisse aspirer à une vie plus... sereine. Plus sereine. Plus sereine. Mais meurs, bordel! Et... encore une, voilà. Wouh. Bon, désolé de t'avoir tué, mais ça nous sert à tous les deux. Oh, non, oh, arrête de me clabousser, c'est pas gentil. Non, arrête, non, je vais te tout mouiller. Oh. Bon, allez, on n'est plus qu'à quelques pas de la résidence maintenant. Oh, qu'est-ce que t'as trouvé, Canigou? Qu'est-ce que t'as trouvé? Ah, si merde, gros. C'est un bon, ce chien, il a le sens des affaires. Alors, qu'est-ce qu'on a là-dedans? Argent d'avant-guerre, cool. Et oui, je me réjouis d'avoir eu de l'argent d'avant-guerre, parce que, pour une raison qui m'échappe, l'argent d'avant-guerre se revend très bien. Donc les gens achètent de l'argent d'avant-guerre avec de l'argent actuel. Ce qui est complètement con, je vous l'accorde. Ah, voilà la résidence des Nakano. Bon, il y a les lumières d'allumer à l'extérieur, donc a priori, il devrait y avoir du monde. Où est-elle? Où est ma fille? Elle est quelque part là-bas, Ray. Quelqu'un l'a enlevée. Ça pourrait être des pillards ou des artilleurs, ou je ne sais pas quelle ordure du même genre. Non, merde. Canigou, non, merde. Ouvre pas la porte comme ça, espèce d'idiot. Oh, quel mal élevé, ce chien. Bon, bonjour. Toc toc toc. Pour ma défense, c'est mon chien qui a ouvert la porte. Je m'excuse, mais nous n'avons pas le temps d'accueillir des visiteurs. Je suis venu pour sauver ta fille, du con. Un bon samaritain? Pourquoi pas? Si vous voulez bien m'écouter, ma fille a disparu. Elle est peut-être partie de son plein gré. Ce n'est plus une enfant, tu sais. Elle aurait dit quelque chose. Je sais que ma fille est en danger. Je le sens. Retrouvez-la, je vous en supplie. Ok, bon, je vois le topo. On est face à un père ultra protecteur. Et quoi de plus normal dans ce milieu, je vous l'accorde. Et une mère... alcoolique. Ok, bon, il va falloir que je trouve des indices. Alors c'est parti. Hey, restez en position.
Il vous voit son chien, le mec. qu'est-ce qu'on a ici? Des bombes sucrées du Nuka Cherry. Cool. Je me sers, hein. Cool. Super cool. Je suis un énorme squatter. Bon, bah, apparemment, j'ai affaire à une bricoleuse. Et c'est sûrement ici qu'elle faisait ses travaux. Bon, hormis ça, je crois qu'il y a rien. Ah, si, du dentifrice. Je crois que je vais l'amener au ghoul qui était sur la plage tout à l'heure. Bon, je pense que je vais plutôt interroger les parents. Pourquoi est-ce qu'elle serait partie sans nous dire un mot? On a peut-être... Non, peu importe. Chaque détail compte, madame. Elle s'est mise à rester dans le hangar à bateau de son grand-père jusqu'à tard dans la nuit. Je pensais que c'était sa façon de faire son deuil. Mais maintenant, je me demande ce qu'elle faisait vraiment là-bas. Ok, bon, allons fouiller son hangar à bateau. Je me demande bien ce qu'il peut y avoir dedans. Eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, Rien. Ah, un coffre-fort et il y a une note du grand-père juste dessus. On va la lire. Ma chère Katsumi. Kasumi, pardon. Ma chère Kasumi, si jamais le coffre est fermé à clé, la solution est ici, dans le hangar à bateau. Tout est une question d'image. Affectueusement, grand-père. Tout est une question d'image. Bon, tu sais quoi? Qu'est-ce qui t'arrive, toi? Il veut des papouilles, oh, gouzou, gouzou. Bon, plus sérieusement, je crois que je vais pas me faire chier, hein, voilà. Le crochetage, ça me connaît. Oh, pas les couilles, moi, je pèse en épingle à cheveux. T'es moi ce qui a écrit, plus 99, ça veut dire quoi? Ça veut dire que je pèse en épingle à cheveux. C'est bon. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Du scotch, ça peut toujours servir. Dernière... Mais qu'est-ce que tu fous avec ça, mais... J'en veux pas de ton ours en plus, qu'est-ce qui t'arrive? Il est fou, ce chien. Bon, je disais... dernière holobande de Kasumi, on va l'écouter. Journal de projet... Moi... J'ai réussi à capter un signal puissant en provenance du nord. Il y a des gens là-bas. Je vais y aller. Je vais rejoindre les synthétiques. Il faut que je sache la vérité sur mes origines. Ils m'ont dit de prendre un bateau vers le nord, jusqu'à la ville de Far Harbor. Je pourrais arriver jusqu'à eux en partant de là. Ok, t'as entendu ça, Kanigou? Destination... Far Harbor. Je m'échauffe. Allez, on embarque, Moussaillon, c'est parti pour l'aventure. Ouais, le bateau démarre, wouh. On quitte cet endroit de merde pour aller dans un endroit encore plus merdique, j'adore ça. Yeah, c'est stylé. Putain, il y a vraiment de la brume aujourd'hui. Putain, le trajet est long. J'espère arriver bientôt. Oh merde, il y a des épaves ici. L'endroit m'inspire pas trop confiance. Et je crois qu'on y est. Les amis, nous voilà à Far Harbor. L'endroit inspire pas trop confiance et ça pue le poiscaille à plein nez, mais bon, il faut pas suivre aux apparences. On y va, c'est parti. Hé, hey, salut, je viens en paix. Tous les visiteurs ne sont pas bien intentionnés. Alors, qu'est-ce qui vous amène ici? Je recherche une jeune femme du nom de Katsumi. Vous l'auriez vue? Oui, elle est passée. Chiot, la marinière débarque. Y a quelque chose qui sort du brouillard. Vous, aidez-nous à protéger la ville et je répondrai à toutes vos questions. Bon, bien visiblement, je vais devoir défendre ces gens pour leur prouver ma loyauté et mes bonnes intentions. Oh oh, ça sent mauvais, ça sent mauvais. C'est quoi ça? C'est des gobeurs. Gober mes boules, ouais. Putain, vite, feu à volonté. Feu à volonté. Il y a des créatures qui arrivent, ouais. Oula, les créatures sont un peu différentes ici. Putain, c'est quoi ces trucs? On dirait des gros lézards. Wow. Merde. Allez, cassez-vous de là! Je viens du Commonwealth, moi, j'en ai vu d'autres! Oh, on veut encore! Wow! Ils ont des lumières, ceux-là! Ils ont des phares sur eux! Oh merde, j'aurais pas dû descendre! Wow! Cassez-vous! Allez, on lâche rien, on les élimine! Oh, en bas, à droite! Flanc droit! Vite! J'ai perdu ma maison quand le brouillard s'est propagé. Quand tu racontes ta vie? Bon, on va aller parler à la Vioc. Vous êtes là pour Kasumi, c'est ça? Elle a mis le cap sur Acadia, le refuge des synthétiques à l'intérieur des terres. Ce ne sera pas une partie de plaisir. Il vous faut un guide, le vieux Longfellow. Il connaît le brouillard comme personne. Vous le trouverez sûrement au bar, le grand mât. Bon, en tout cas, on pourra dire ce qu'on veut, mais je trouve que l'endroit a quand même un charme. Wow. Système plutôt ingénieux. Oh, il a une vraie coupe, lui. Why? Ne regardez jamais un trappeur dans les yeux. Oui, bon, allez, on va au bar. On va sûrement y trouver le Longfellow. Hey, salut la compagnie. Salut, Yankee. Bière gratuite pour vous. T'as déjà dit que t'avais la même voix que Mo dans Les Simpsons? J'aime votre style. Bon, vous m'excuserez, mais j'ai d'autres chats à frapper. Ah, voilà l'homme que je cherche. Le vieux Longfellow. Vous avez protégé la coque? Alors vous vous croyez capable d'aller dans le brouillard?
C'était de la rigolade, à côté des trucs qui vous attendent dans les terres. Je me rappelle pas t'avoir demandé ton avis, vieux fossile. Ça, c'est parlé. Je peux vous emmener à Acadia. Allez, départ pour Acadia avec Longfellow. Juste avant, je vais quand même m'équiper, hein, parce que j'ai acheté des nouvelles choses, dont ce nouveau bonnet d'ailleurs, et... on va garder l'ancien, hein. Sinon, à la rigueur, j'ai une perruque. Bon, plus sérieusement, j'ai aussi acheté un fusil harpon, hein. J'espère que ça va servir. Allez, c'est parti, Longfellow, on y va, je suis équipé. Des empreintes. Elles sont fraîches. Il y a des trappeurs dans le coin. Oh, droit devant. C'est qui ce mec, putain? Caligou, bute-le! Oh! C'est bon, il est en morceaux. Bon, il est temps de tester mon fusil harpon. J'adore ce fusil. Ok, c'est bon, ils sont plus là. Vous vous défendez pas mal. Je croyais que j'allais devoir me taper tout le boulot. Tu m'as trop pris pour un amateur, mec. Wow, dégoule, dégoule! Bien joué, Caligou! Je me l'ai fait! Bon, je vais utiliser mon tout nouveau crochet. Petite goule, amène-toi! Oui, amène-toi! Wouhou! J'adore faire la pêche. Oh, en v'là une! Ok, bon bah les ghouls sont éliminés, c'est cool. Ah, non, pas toutes, c'est bien ce que je pensais. Appelle-moi Capitaine Crochet! Ok, je te suis, Longfellow. Avançons. Oh, attendez. C'est un rôdeur. Il reste au cœur du brouillard, en général. On ferait mieux de rester à bonne distance. Allez, Longfellow, continue de nous montrer le chemin. Oh, attention, attention, au sol, au sol, au sol! Anticipation, ma gueule, et oui! Attention! Ne me dites pas merci. Ok, bon. Nous voilà, Acadia. Nous y voilà. Si vous voulez leur parler, suffit d'entrer. Bon, allez, assez perdu de temps, on entre à Acadia, let's go! Salut, salut! Yo, tas de ferraille, je cherche Katsuni! Gazumi est ici, saine et sauve. Vous pouvez la voir si vous le souhaitez. Bon, Kasumi, où est-ce que tu es? Ah, je crois qu'elle est en dessous. Ouais, nickel. Bon, la flemme de prendre les escaliers. Hein. Allez. Hey, salut, je viens pour te sauver. Vas-y, barre ta gueule, t'es pas mon père. Bon, au pire, si tu te rends utile, tu sais, tu peux aller au cœur de l'île pour pirater un terminal pour accéder au souvenir d'un mec qui me permettra de dire si oui ou non je suis une synthétique, ce qui déterminera si je dois oui ou non rentrer chez mes parents. Eh ben ça, c'est ce qui s'appelle raccourcir un dialogue beaucoup trop long où je m'y connais pas. Bah, grave. Et puis de toute façon, on fait ce qu'on veut sur cette chaîne YouTube. Ouais, grave. Et ceux qui sont pas contents, on les emmerde. Ouais, mais grave. Et en plus, j'arrive à parler sans bouger les lèvres. Ouais, grave. On baise. Ouais, Et attends, t'es sérieux là? Ok, bon, nouvel objectif, maintenant il va falloir qu'on pirate le terminal de Dima qui se trouve chez les enfants d'Atome. Qui se trouve à peu près... par là-bas, je dirais. Bon, les amis, on s'apprête à aller dans l'endroit le plus hostile qu'on ait jamais rencontré. J'espère que je vais pas me faire dérouiller en chemin, ce serait con. L'endroit est quand même vachement pas rassurant. Ok, qu'est-ce que je vois ici? Il y a plein de bestioles, je crois que c'est des Yaoguai. Bon, on va essayer de les contourner en passant par là. Alors, on va y aller. On va descendre cette montagne. Tranquillos, tranquillos. Voilà. Ah ouais, putain, ils sont gros. Bon, c'est bon, ils nous ont même pas vus. C'est cool, allez, on continue. Oh oh, ils ont poussé un cornement. Canigou. On y va, allez. On y va. Merde, putain, il y a une espèce de lac. J'ai aucune envie d'aller dedans, mais. Oh putain! Canigou! Terre! Enfin, non, mort, je veux dire! Merde! Oh putain, je voulais pas vous faire de mal! Imbécile! Oh. Cours! Oh 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 oh! Merde! Oh putain, oh putain, oh putain, 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 je me casse d'ici, je me tire! Oh, putain de merde! Caligou? Caligou, mon chien! Oh, je peux pas le laisser tout seul, je peux pas l'abandonner, il faut que j'y retourne. Canigou! Il m'a pas suivi, le con. Canigou! Je suis désolé, j'ai flippé. Canigou, où est-ce que tu es? Canigou! Oh, je crois qu'il est là! Il est là! Touchez pas à mon yinge, putain! Saleté d'ours, putain! Allez, 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 allez! Wow! Oh, je l'ai entendu! J'ai entendu un petit cri de lui! Meurs! Oh, putain! Alors mon vieux, ça va ou quoi? Allez viens, on se casse d'ici. Faut qu'on aille vers le nord, c'est là qu'il y a les enfants d'Atome. Oh putain, sur quoi je vais tomber encore? Oh, merde, non, 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 chut, chut, chut. Y'a plein de trappeurs en bas. Je crois que s'ils sont violents, c'est à cause des radiations, ça les a rendus fous. Merde, y'en a un qui arrive. Merde. On se cache. Allez, c'est parti, Stealth Boy.
J'existe plus. Allez, on continue. J'existe pas. Moi-même, je me vois pas, je sais pas où je suis. Allez, vite, on passe cet avant-poste. Sans violence, ça ne résout rien. Allez, voilà. J'ai réapparu, mais au moins, je suis pas cramé. Il faut être hyper vigilant, cet endroit regorge de saloperies. Un rat de lapin? Oh, j'en ai jamais vu, tiens. Et on est plus extrêmement loin. Ouais, on va pas tarder à y être. Nickel. Il va juste falloir qu'on passe cet étang. Et avec ce truc là-bas qui rôde, ça va être compliqué. Allez, c'est pas grave. On tente le tout pour le tout, on y va. Oula, il nous a un peu repéré. Oula, c'est quoi ce truc-là? Oula, rôdeur des brumes. J'aimerais mieux pas être confronté à ce truc. Oh merde, il arrive. Non, il arrive. Vite. Recule. Il arrive. J'ai des frissons. J'ai des putains de frissons. Dégueulasse. Ah! Putain, Caligo, t'es pas des scrams, merde! Ah! Je vois plus rien, je suis dans des putains de ronces! Ça m'énerve quand je me bloque contre un truc, c'est chiant! Oh putain, il est temps d'utiliser mon fusil harpon! Il est grand temps! Amène-toi, face de rat! Oh putain, il se bat avec un autre, c'est le moment ou jamais! Eh, derrière toi! Eh, occupez-vous de moi, putain! T'as pas l'air trop en forme! Viens que je t'achève! Quoi, tu fuis? Qu'est-ce qu'il y a? Oh, il charge. Prends ça! Ouh! Eh ben, je suis pas mécontent d'avoir acheté cette arme. Dites-moi donc ce que vous faites ici. Eh bien, j'aimerais me joindre à vous. Vous devez vous soumettre à un rituel. Il y a une petite source non loin d'ici. Allez y boire. Ok, bon bah, je vais boire à la source. Bon, allez, c'est parti, on y va. Bah alors, personne t'a sauvé, Willy? Bon, la source, je crois qu'elle est juste... Oh pas cool du tout. Putain, il est luminescent celui-là. Oh, tu monteras pas, tu feras rien faire, bim, prends ça. Oh putain, Gobber, luminescent légendaire, rien que ça. Oh, il est monté celui-là, dégage. Hé, hey, Gobber, si tu gobais plutôt ça. Mais non, mais comme par hasard, la bite. Ah, voilà. Oh, encore un. Canigou. Putain, je l'ai raté, le con. Oh, il est monté. Ouh, oh, putain, recharge. Vite. Oh, qu'est-ce que tu fais, saloperie? Me touche pas! Putain! Tu me connais pas, je suis un gueudin! Allez, recharge! Ah! Bon, eux ils sont morts, mais on a perdu la trace du leader. Oh. Canigou, tu l'as vu? Oh oui, tu l'as vu, oui! Ok, oui! Allez, viens! Wouh! Ça lui a pas fait grand chose! Oh, il se relève le con! Il se relève! Partons pour un deuxième round! Allez, viens! Merde, il l'a raté. Il va passer dessus. Faut qu'il repasse dessus, vite. Wow. Putain, mais crève. Ma tête. Il m'a enlevé ma tête. Allez, viens goûter à ma mine nucléaire. Viens. Mais c'est pas vrai. Il est passé à côté, ce con. Mais c'est quoi cette mine qui marche pas? J'en ai affronté d'autres, mon pote. J'ai de l'expérience. J'en ai affronté bien d'autres. Et ils étaient bien plus forts que toi. Allez, viens. Bien! Je te finirai au harpon s'il le faut. Ouais, je crois que je l'ai fait ramper. Oh bah il lui manque une patte, oh bah dis donc. Ah c'est con, hein. On peut faire plein de choses avec des pattes. Hein. On peut marcher, on peut manger aussi. Une dernière volonté peut-être. Je prends ça pour un an. Bon bah du coup on va retourner voir les enfants d'Atome. Oh. Non, c'est cool. Non, c'est pas cool. Je savais qu'il y avait une entourloupe quelque part. Je préfère courir. Ils sortent du sol, ces saloperies. Merde. Putain. Tu cours de pas. Ah, je vous aime pas. Vous courez de partout, vous me saoulez. Casse-toi. Oh. Dégage. Laisse-moi tranquille. Oh, merde. Ouch. Vite, la flotte. Ouais, essaye de m'atteindre maintenant. Je suis intouchable. Ouais, heureux. Est-ce qu'Atome vous a révélé quelque chose? Je sais pas, mais c'était vraiment de la bonne. Bienvenue parmi nous, mon frère. Ils tuent nos missionnaires, et ils martyrisent tous ceux qui veulent leur apporter la lumière. Ouais. Bon. Bah, on est tombé en plein milieu d'une bonne grosse secte. Hey, Tom Cruise! Hey, tu te caches où? Bon bah, salut mes frères, hein. Oui, parce que je fais partie d'eux maintenant, hein. Oui, clin d'œil. Yo, tranquille, ça va? Salut mes frères, comment ça va? Ouais, salut, hein. Gloire à Atome, bien sûr, ouais. Prenez garde, mon frère. Le dernier enfant qui a tenté de percer les secrets de la base en a réveillé les gardiens. Alors, ouais, d'accord. Bon, après un extrêmement long périple, on est enfin arrivé à ce fameux terminal. Allez, je mets le mot de passe, voilà.
Où est-ce que je suis? Je suis dans un programme informatique, merde, j'ai été un peu rapide. Si vous écoutez ceci, c'est que vous êtes à l'intérieur de mes banques mémorielles. Respirez un bon coup, il y a beaucoup d'informations à intégrer. Je sens que ça va vite me saouler. C'est ici qu'est stockée la mémoire à long terme, votre objectif. D'accord. Mais vous ne pouvez pas récupérer les données par vous-même. Si vous devez quitter d'accord, la simulation, bien. Non, ta gueule, chut, arrête de parler, chut, c'est toi. Maintenant, oui, ta gueule. C'est un décodeur capable oui, de. Oui, j'ai compris, les ta gueule. Il suffit de leur monter. Ah, il m'énerve ce mec à parler, tais-toi, chut. Maintenant, vous allez devoir faire attention au système de sécurité. Les pare-feux oui, rouges. Je sais, vous je sais. Et en je sais. Je le sais, oui. Vous voyez le rayon de lumière vert. Oui, je le vois, mais c'est ferme, s'il te plaît. Non, s'il te plaît, ta gueule, merci. De oui, j'ai compris, regarde, ça marche. Voilà, regarde, on l'a eu. Tu vois, comme un grand. Allez, les petits gars, venez! Vive la révolution! À l'attaque! Rentrez là-dedans! Ok, celle-là, c'est bon. Maintenant, il en reste encore 4. Putain. Ah, j'ai la flemme. Ok, c'est reparti. Là, c'est un niveau différent, mais c'est à peu près le même délire. Ça va me saouler. Ah, mais ça va tellement me saouler. Ah, mais ça va me saouler fois 1000. Ça va me saouler d'une saoulance. Oh, j'ai la flemme. Mais je m'en branle fois 1000. Putain, c'est casse-tête. Il y a plein de niveaux à faire, tout ça. Je suis venu pour jouer à Fallout. Je ne suis pas venu pour jouer à ce truc. Bon, ok. Alors, récapitulons. J'ai deux solutions. Soit je me motive, je me détermine à finir ce niveau de merde pour ensuite aller chercher Katsuni, la ramener à ses parents comme je leur avais promis et pourquoi pas sauver tout Faro à bord, éradiquer toutes les créatures qui s'y trouvent, sauver le Commonwealth et même sauver toutes les terres désolées en général et pourquoi pas même sauver la Corée du Nord. Soit sinon, deuxième solution, j'abandonne comme un gros lâche. Mais non, je rigole, je pourrais pas faire ça, vous me connaissez bien, je suis pas un espèce d'enfoiré de connard de fils de... Hasta la vista, Far Harbor! On se reverra quand on se reverra! Et si vous tombez sur une de mes vidéos, n'hésitez pas à la liker, la commenter ou la partager! Allez, gros coutou!